connaissez les capacités des sabres laser, mais connaissez-vous les pouvoirs de la force? Dans cette vidéo, nous allons tenter de savoir lequel est le meilleur. Alors déjà de base, les pouvoirs vous permettront de courir plus vite et de faire des doubles sauts. Mais chaque pouvoir a une capacité bien spéciale, et ces capacités, vous pouvez carrément les utiliser sur les rails de glisse et même sur les motos. Avec le pouvoir de Dark Maul, qui est le sabre rouge, vous pourrez projeter des rochers et même des véhicules si vous montez dessus. La portée maximale des projectiles est de 100 mètres, voire beaucoup plus si vous tirez vers le haut. Et franchement, les dégâts infligés sont vraiment vénères. Ensuite, le pouvoir d'Anakin, donc le sabre bleu, attire tout ce qui se trouve devant vous jusqu'à 50 mètres maximum. Il peut détruire jusqu'à 4 structures les unes derrière les autres. Il peut également attirer plusieurs ennemis à la fois, mais n'inflige aucun dégât. Et le pouvoir d'Obi-Wan Kenobi, le sabre vert, repousse tout jusqu'à 30 mètres maximum. Mais ça ne peut détruire qu'une seule structure à la fois et ne one-shot pas les murs en métal. Par contre, il peut repousser plusieurs ennemis à la fois et si vous poussez les bottes Joker, ils ne vous attaqueront même pas. Donc vous allez pouvoir les faire voyager où vous voulez. Alors selon vous, quel est le meilleur pouvoir? Moi personnellement, je dirais que c'est le pouvoir de Dark Maul sans hésiter. Code créateur SCL.